Après ses fans et les organisateurs du tournoi de Wimbledon, Meghan Markle s'attire les foudres de l'ancien secrétaire privé de Lady Diana. À travers une longue tribune publiée par le Daily Mail, Patrick Jefferson n'hésite pas à désinguer la duchesse de Sussex avec sarcasme, en comparant ses faits et gestes à ceux de la princesse décédée en 1997 à Paris. L'auteur The Meghan Factor fait notamment référence à l'attitude de l'épouse du prince Harry lorsqu'elle a assisté au match de son amie Serena Williams, le jeudi 4 juillet dernier. En effet, la jeune maman avait empêché le public de la prendre en photo, assurant qu'elle se trouvait à l'événement à titre privé. La duchesse de Sussex a peut-être pensé qu'elle venait de tomber dans un club de tennis huppé pour regarder son amie Serena Williams jouer un grand match. Mais la réalité s'est avérée très différente, l'attaque de l'ancien chef de cabinet de Lady Di. Pour Patrick Jefferson, si est-il certain, quelque chose doit changer dans la manière dont la team Sussex s'engage auprès du contribuable. Et pour cause, contrairement à Kate Middleton qui s'est assise auprès d'autres fans, la veille dans les tribunes, comme le précise l'ancien bras droit de la princesse Diana, Meghan Markle a préféré les laisser à l'écart. Pourtant, Patrick Jefferson tient à rappeler que les apparitions publiques des membres de la famille royale britannique sont payées avec l'argent du contribuable. Les deux conseils de Patrick Jefferson à Meghan Markle. L'ex-secrétaire privé de la princesse Diana se souvient des apparitions publiques de son ancienne patronne, et se permet de glisser un conseil à la duchesse. La princesse Diana s'est rendue à Wimbledon en privé, elle était consciente qu'elle assistait en réalité à une séance photo prolongée. Elle le savait, l'acceptait et le mettait même à son avantage, plus d'une fois, une mauvaise presse avait été inversée miraculeusement avec une couverture de magazine la montrant sous son meilleur jour, sous le soleil de Wimbledon, écrit-il. Patrick Jefferson critique aussi le fait que Meghan Markle ait été entourée par autant de personnel de sécurité. Diana n'a généralement jamais emmené de personnel avec elle. Le message était simple, pas d'entourage signifie que je suis en congé, me divertissant parmi des milliers d'autres fans enthousiastes. Alors, la maman d'Archie Harrison suivra-t-elle les conseils de Patrick Jefferson lors de ses prochaines apparitions? Rien n'est moins sûr.